Rebonjour à tous et toutes, et bienvenue pour la suite de Lego City. Et donc là, nous allons nous rendre dans la mine en prenant le train. Enfin, si j'y arrive. Ok. Donc, il faut d'aller à la gare, et voilà. Oh, il est rapide, donc. Et c'est parti. Trouver Fletcher. Le putois à la mine abandonnée. Ouais. Bon, je suppose que c'est dans la mine. C'est ça la mine abandonnée ou c'est... Article 4, alinéa 5 du règlement des mines interdit l'accès de la mine à toute personne non autorisée. Ok, ouais. J'ai une vie, on va le changer, mais bon, peut-être pas la peine, hein. Ouais, je fais quoi de ça? Attends, j'étais un petit peu trop vite là, mais bon. Oui, personne ne met un pied dans... Ouh, mon service est terminé. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Alors, le service est fini, il se tire en fait. Hop. Et bien, on y va. Troisième mission, à carcassion minière. Moi je vais essayer de faire un peu plus vite, hein. Je rusherai une autre fois. Enfin si je vais rusher, je ferai mes emplettes une autre fois. Je cherche Clarence Fletcher, dit le putois. À l'autre bout de la grotte principale. Vous pouvez pas le manquer. Moi il me manquera pas quand il sera parti d'ici. Pouah. Eh, hey, le v'là! Allez, vas-y, souffle-le! Avec la dynamite! Oh! Ah ben merde, Crudy! Bon, lequel d'entre vous a encore fait ça? Pour la dernière fois, arrêtez de jouer avec la dynamite! Oh! Et vous? Enfilez un équipement de sécurité! Affirmatif, chef. Ouais, je vois bien. Trouver... Saura-t-on un jour pourquoi les gars qui ont cambriolé la mine ont pris ce matériel? Aucune idée. Peut-être pour creuser leur propre mine. Ce matériel ne pouvait servir qu'à creuser. Les idiots! Ils auraient mieux fait de s'emparer d'une minerai précieuse et de s'économiser le travail. Pete aurait dû faire plus attention dans ce tunnel instable. S'il avait été un mineur futé, il se serait dégonflé, mais ne serait pas tout plat maintenant. Donc, je veux dire, comment on y va? Ah. Hop là. Ah d'accord. Peut-être un peu pour rebondir ça j'imagine. Ah non, même pas. Ok, pour passer. Essayer des trucs intéressants vite fait. Hein? Ils n'ont pas fini de construire les rails? Je peux pas bouger mon chariot de dynamite alors?
Ok. Hé, hey, tu peux pas prendre ma dynamite. J'ai besoin de chacun de ces bâtons. Oui, d'accord, ça va, j'ai compris. Il faut faire chariot, en fait. Bon, alors. Maître me laissera embarquer quelques bâtons de dynamite pour que je puisse me débarrasser de cette fichue souche d'arbre dans mon jardin. Je vais facilement remplir mon quota ce mois-ci et je dépenserai ma prime dans une de ces stations thermales où l'on se fait bichonner. Bon, là c'est logique, il faut construire. Je croyais qu'on pouvait choisir notre équipement dans la cabane à outils, mais le contremaître m'a spécifié qu'il voulait que je... Cet immeuble que Blackwell projetait de construire avait l'air vraiment sympa, mais j'aurais sûrement pas eu les moyens de m'y acheter un appart. Ah, tu m'étonnes, pas avec nos salaires en tout cas. Cool. Je peux utiliser de la dynamite maintenant? Ça va être la bombe! Ouais, on va savoir comment, mais... Ah ouais, carrément! Oups, hein. Là, j'essaie de comprendre ce qu'on fait. Distributeur de boissons, pourquoi? Ah, dynamite, ok. Bon sang, c'est mon premier jour de boulot et je me débrouille pour coincer cette espèce de toupie. Ça grille, merci. Sort d'un mauvais bras, là, mais il y a une amie là-dedans maintenant. Ok. Tout notre temps à faire attention aux stalactites et paf, c'est une botte qu'on se prend sur la tête. J'espère que José va mieux, il était un peu dépressif ces temps. Bah saute. Non bon, on ira après. Génial, un comité d'accueil.
Hop là. Allez. Hop là. Hop là. On dirait que quelqu'un veut m'empêcher d'arriver jusqu'au putois. Oui, d'accord, là il faut aller la nuit. Ok, il n'en faut rien faire. Dynamite en fait. Ok, je sais comment les avoir maintenant. Ok, j'ai compris. J'arrête les flageolets. Un peu d'intimité, s'il vous plaît. Super, un plongeoir. Je me sens beaucoup plus en sécurité là. Bon. J'espère que j'ai bien réglé ma prime d'assurance vie. Il continue de trouver l'autre. 3, 2, 1. Partez. Partez. Bah, j'ai changé d'avis. Il a mis ça impossible. A été utilisé comme un bélier. Pourquoi ce plongeoir était là? En fait, au bout d'un moment, on s'habitue à la peur. C'est vrai. Mais je comprends pas les boutons. Il n'y a pas rapide, hein, évidemment. Alors voilà. Ah mais c'est moi ça. Je me demandais qui c'était. Thank you.
C'est quoi ça? Ah, des dynamites. Il va me falloir beaucoup plus de briques. Désolé, monsieur, je crois que je vais vous réveiller. Tu vois, tu t'en souviens. Waouh! Il a le sommeil profond. Tu m'étonnes. Ok, ça c'est bon. On voit rien, merci. Oui, je sais. On voit pas à quoi correspond une personne en fait. J'ai passé ma feuille 3 heures pour refaire. J'ai pas envie de tout refaire. Oh non alors, le nouveau téléphérique devait arriver la semaine dernière. Et voilà, 22, j'ai 17. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Ça gonfle. Donc qu'est-ce que je peux aller ailleurs déjà? Bah non, on peut pousser ça. Oh, que de visages amicaux. Hop là. Voilà, 27, cool. Prochaine fois que j'ai envie voilà. De me balader en chariot de mine, je vérifierai d'abord que le contremaître ne regarde pas. Pas de croire, j'ai doublé mon temps de travail. Bon, c'est terminé. Ok. Quel intérêt de faire ça, hein? C'est quoi qui m'a touché là? Moi aussi, moi désolé. C'est moi. Top. Là, on peut rien faire. C'est vrai, c'est un boulot honnête. Tout à la sueur de son front. Un vrai travail d'homme. J'aimerais tant être comptable. Ne tombe pas, merci. J'aurais dû rejoindre l'armée comme mon frère. Donc j'allume la mèche et je m'éloigne bien. Mais il s'éloigne pas. J'aurais dû rejoindre l'armée comme mon frère. Au moins, je serais major, au lieu d'être mineur. Oh.
c'est quoi là-dedans? Bon, oh, c'est juste pour ça. Hop là. Ok. Non, c'est bien, il faut monter. Ok, et après on va où là? Ah, faut aller sur le fil. Je passe mes journées à casser des cailloux et à traîner des rochers. Je devrais avoir le droit de me détendre quand je rentre chez moi. J'ai entendu le patron dire que ça fait 6 jours qu'on n'a pas eu d'accident. Si tout se passe bien, on va pouvoir battre notre record. Donc logiquement, j'ai assez quoi à faire maintenant. Donc où est-ce qu'elle est? Comment va-t-on se rendre de l'autre côté de la... Voilà. Mais je monte pas avant moi. Ces trucs-là, c'est pas sûr. Téléphérique. Non, monsieur. Mais bonne traversée à vous. Merci. Je suis sûr que tout se passera bien. Ouais, moi je crois pas, mais bon, c'est pas grave. Attention. Mais c'est sûr. Ça va bien se terminer, hein? Oh! Oh! Ça devrait l'arrêter. Jambes, ok. Bras, ok. Tête, ok. Eh, hey, vous savez quoi? Je suis en vie. Oui, bah c'est bien. Tout le monde est mieux. Encore plus de sales types. Je dois être tout proche du putois. Ah oui, en fait, j'ai des trucs, on dirait. On se calme. Hop là. What? What the fuck? Ici. Oh,
juste une idée, Chase. Il vaut peut-être mieux éviter de tomber dans ce terrifiant broyeur, non? Je crois aussi, ouais. Par le rocher. Je vais trop vite. Hop là. Hop là. Ah, ça on peut casser avec. Une seule fois. Même aussi. Ok, ok. Donc là, c'est quoi? Là, c'est le bandit. Je vois pas, hein. Alors, on se dit. Ok, on peut toujours le faire là. Où est ce putoir? Et on va le savoir aussi. J'y trouverai peut-être un indice. Journal de Fletcher, entrée 3011. J'ai été... Hé hey, qui est là? Attrapez-le. Ah, boss, je vais cacher son dictaphone.
sans Hulk ou toi. Mais je peux peut-être encore les rattraper. Ah, ça y est, ils sont partis. Ah, ça y est, c'est pour la nuit. Rex Fury, tu cherches quelqu'un. Hé, derrière toi. Waouh. Laissez-le, il ne peut rien contre nous. Ouf, ça lui fait mal. Mon gars m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un pour nous voler un beau camion neuf. Avec les compliments de la police de Lego City. Coupez-moi cette musique. Un camion de glace m'est rentré dedans ou quoi? On pourrait le croire, mais non. Vous avez été mis KO, Chase. Une chance que Dunby m'ait envoyé ici. Duke? Je cherchais un mineur, mais... Rex l'a trouvé avant moi. Essaye de ne pas parler. Natalia? C'est pour moi que tu es là. Non. Il va bien. Mais... pourquoi alors? J'étais juste dans le coin. Son père a disparu. Quoi? Ne t'inquiète pas, Natalia. Je le retrouverai. Je le retrouverai. Sans ton aide. Je n'aurais jamais dû témoigner contre Rex Fury. Si Rex a enlevé son père et que vous comptez aller le sauver, il va falloir apprendre à vous défendre, c'est moi qui vous le dis. Allez voir ce type, il s'y connaît en kung-fu. Lapin contre feu. Ok, ben voilà le dernier, je sais quoi. Un seul, ok. Super, parfait. Deux, ok. Donc 17, j'ai un bonhomme, ok. Et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et oui, voilà. Donc moi je vous dis, ben, je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ce sera gentil. Je vous remercie et je vous dis au revoir.